Peggy 18. Et salut tout le monde, ici Warlick pour vous servir et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fallout New Vegas. Alors aujourd'hui, on va aller dans ce bâtiment là, le Vic Evans, en sneaky, voir, je sais pas si dedans il y a des mecs hostiles, si je vais devoir nettoyer la zone ou si ce sera peut-être des gens pacifistes. On va voir ça. Je sais pas ce qui vous amène à Prime, mais je vous conseille sincèrement de changer de plan. La ville est à feu et à sang. Ok, donc je me fais agresser direct, même pas le temps d'entrer qu'on parle déjà. Alors, j'ai affaire à qui? Je m'appelle Johnson Nash, marié à Ruby Nash. Ça fait 8 ans que j'habite à Prime maintenant, pile poil. Je suis surtout marchand, enfin, je fais ce que je peux avec ce qui traîne. Je fais aussi point de dépôt local pour le Morave Express. Ah. Je suis un courrier du Morave Express. Bah, j'ai pas de boulot pour vous, désolé. J'ai perdu un paquet que je devais livrer. Je vais vous dire ce que je peux. Vous avez un bon de livraison à me montrer? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce travail? Montrez l'ordre de livraison. Oh, alors vous parlez d'un de ces paquets. Ce boulot est pas bien net, moi je dis. Mais bon, on refuse pas les capsules, hein? Qu'est-ce qu'il y avait d'étrange? Ce robot cow-boy nous a demandé d'engager 6 courriers. Ils transportaient tous un objet différent. Une paire de dés, une pièce d'échec, etc. Je devais envoyer une demande d'embauche pour 7 courriers au bureau de l'Express, au centre. Chacun devait transporter un bibelot. Il y avait des cartes à jouer, des dés, des pièces d'échecs, des conneries comme ça. Ensuite, il revient et me demande 6 courriers, et plus 7. Le dialogue était buggé, mais d'accord. Il a annulé? Ouais, il a eu un drôle de regard en voyant votre nom sur la liste de courriers. Il a changé d'expression et a demandé si c'était vraiment vous. Je lui ai dit que vous travailliez toujours, puis il a refusé le boulot, sans raison. Je lui ai demandé s'il était sûr. Ça payait bien, après tout. Non, qu'il a dit. Laissez le courrier 6 porter le paquet. Comme si le Morave allait s'occuper de vous. Puis il s'est levé et il est parti. Ok, vous savez qui c'était, où il est allé? Aucune idée. Mais vu son comportement, vous vous connaissez sûrement. Il a refusé une belle somme, en plus. J'espère qu'il n'a pas remarqué un problème avec le paquet à livrer. À moins qu'il pense que votre nom porte malheur. J'en sais rien. Bizarre. Des hommes m'ont volé mon paquet. Un type à costume à carreaux, deux voyous sont passés ici. Eh bien, maintenant que vous en parlez, il y a quelques nuits, un des habitants était sorti pour faire de la récup. Il a dit avoir vu un type avec un costume pas banal passer avec plusieurs grands cannes. Il parlait d'un jeton. Un de ces hommes m'a tiré dessus. Il faut que je trouve le moyen de les retrouver. Ah, pour ça, vous devriez parler à l'adjoint Beagle. Il a pris des notes sur eux et il traînait discrètement autour du bison Steve quand votre Johnny Bellegueule est passé par là. Il sait peut-être par où ils sont partis. Ok, bison Steve. Je voudrais demander autre chose. Bon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. J'ai vu qu'il avait... Qu'est-ce que je... Ah non, c'est pour l'instant, Beagle est ce qu'on a de plus proche d'une loi organisée. Mais il est toujours coincé au bison Steve. Moi, je dis le mieux, là, tout de suite, c'est de le faire sortir de là. Bah c'est ce qu'on va faire, mais d'abord je voudrais voir si t'as bien quelque chose sûr, jeter un œil. Ou plutôt te vendre des trucs. Alors, hop. Voilà, donc j'ai vendu quelques trucs, si vous voulez voir vite fait, j'ai vendu toutes ces merdes là. Accepté. Et voilà, on a pas mal de fric, c'est cool, à l'équité. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Pas de problème. Où est-ce que je Beagle peux... Beagle a pris des notes en écoutant les discussions. Ouais, il faut que j'aille libérer l'autre, absolument. Il en saura plus que n'importe qui d'autre. On va aller le sauver. Bison machin truc. Au revoir. Ah, c'était pas une faute de frappe. Il les appelait vraiment hey, les salut. Poutriers. On se promène encore à Prime, hein? Je crois que c'était une faute de frappe. Pourquoi les appelez-vous les poutriers? Je croyais que c'était les poudriers. Poutriers, poudriers, c'est la même racaille pour moi. Ouais, il est juste vieux, quoi. Allez. À une autre fois. Ok, est-ce qu'on ferait pas un peu le tour d'ici? Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, apparemment, on peut rien voler ici. Un robot. Circulez. Salut. Salut, partenaire. Bienvenue au casino et musée Vicky Evans. J'ai affaire à qui? Prime Slim à votre service. Authentique cobot et porte-parole du casino et musée Vicky Evans. Yeah! N'importe quoi. Qui était Vicky Evans? Vous avez passé votre vie où, partenaire? Sous un caillou? Vicky Evans sont le quatrième ou le cinquième couple de criminels le plus célèbre de ce pays. Voilà qui ils étaient.
Prime Slim peut vous raconter toute leur histoire, si vous avez une minute. Oh bah oui, pourquoi pas. Yahoo ! Ça fait des années que je n'ai pas eu l'occasion de raconter leurs aventures. Avant toute chose, si vous avez entendu dire que Vicky et Vance ce n'étaient que des copieurs, c'est de la diffamation pure et simple. En fait, ils se sont lancés dans le crime 2 jours avant que Bonnie and Clyde cambriolent leur première banque. Alors, qui a copié qui ? D'accord, Vicky et Vance n'ont pas vraiment tué et cambriolé des banques dans tout le centre des États-Unis, comme Bonnie and Clyde. C'était plutôt du vol à la tire, de l'escroquerie et du vol d'essence. Mais ça reste des activités criminelles, et ils conduisaient comme des dingues. Ayant vécu l'arme à la main, enfin, Vance possédait une arme, il était normal que ce duo de desperados finisse truffé de plomb. C'est peut-être le destin qui les a conduits par hasard à l'endroit d'une fusillade entre la police et des braqueurs de banque à Plano, au Texas. Ou peut-être n'ont-ils rien remarqué avant qu'il ne soit trop tard. On a dit que Vicky voulait encaisser un chèque en bois dans cette banque. On ne saura jamais la vérité. Toujours est-il que la voiture et ses occupants ont fini en passoire et que la police a fait des excuses officielles. Vous pouvez admirer la voiture de la mort juste là. Et la mitraillette de Vance est exposée dans la vitrine à côté. Ah, je vais bien voir ça alors. Bon voyage, partenaire. Je vais bien voir la bagnole. Ah, stylé, ouais. C'est... Ah bah, elle a parfaité d'ailleurs. Stylé, c'est sympa. C'est bizarre ces mannequins comme ça là. Je trouve ça chelou. Là. Et le flingue dans la vitrine. Il n'y a pas de flingue dans la vitrine. Pistolet mitrailleur neuf. D'accord, il est pas là. Salut, partenaire. Bienvenue au casino et musée. On aurait pas un peu volé par hasard. Tu savais que l'arme de monde avait disparu ? Approchez de la vitrine et vous la verrez. Une sacrée pièce. D'accord, ok. Comme neuve, elle n'a jamais tiré. Ah. Oh. Vous êtes loco, partenaire. Je la vois d'ici à travers mes 3 photocapteurs. D'accord. Un peu l'air des compétences en sciences, on dirait. Hein. Ok. Bon voyage, partenaire. Salut. D'accord. On va pas parler avec tout le monde, hein. Juste faire un petit tour, voir s'il n'y a pas des munitions qui traînent. Et il n'y a pas l'air. De toute façon, tout ce que je prends, c'est du vol. Donc, Salut. Salut. Non, bah écoutez, on va aller sauver machin au bison ce truc. Allons-y. D'ailleurs, je ne mangerai bien un petit coup avant. Ce serait peut-être pas mal. C'est où déjà? C'est où? C'est là. Qu'est-ce que j'ai à manger? De l'eau. Et en fait, j'ai pas grand-chose à bouffer. Salut. Au moins ça remonte un peu ma vie. Salut. Au moins ça remonte un peu ma vie. Voilà. Alors, Bison Steve. Ok. Par contre, si j'ai bien compris, il y a des truands là-dedans. S'il y a des truands, on va essayer d'être discret, même si c'est pas du tout mon fort. Et que j'ai que 8 balles. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la grosse merde. Oh putain. Oh, il m'a vu direct. Fait chier. C'est relou ça. Allez. Voilà. Oh, j'imagine qu'il n'était pas tout seul. Prudence. Ah merde, fait chier. Est-ce que t'aurais pas des munitions pour moi par hasard? Cartouche, des montre-pneus. On va tout prendre. De toute façon, au pire, les trucs que je veux pas, je les revends. Hey, ça va? Bien. Petite balle dans le bide. Ça fait plaisir. Hop, on va les dépouiller, de toute façon. Ok. Alors du coup, les sunsets à Paria, faut que je récupère les bouteilles pleines pour avoir les capsules. Si j'ai bien tout compris. Oh. Les capsules. Oh, un coffre fort. Oh, 75, fait chier.
Packet Club, je prends parce que ça, ça se revend bien. Des capsules. Ok. Est-ce que... Ah, il y a la valeur et tout, ok. Ok, ok. Salut. Ça y est. C'est quoi ta tenue là, ça shoot, non ? Allez. Ouais, ouais, tire-toi. Moi, je tire dans le dos, j'en ai rien à carrer. J'imite bien. Ça, j'imite bien. Ok, hop. Qu'est-ce que t'as sur toi? Alors, c'était quoi que t'avais? Tenue de charmeur, ok. Pourquoi pas? Ça, c'est les bouteilles vides. Merde. Tout est vide. Ah, accrochage. Facile. Ok. Ça a l'air d'être par là la suite, hein, donc j'y vais pas forcément. Nuka-Cola, je prends. D'ailleurs, je vais en boire parce que ça me redonnera un petit peu de vie. Voilà. Ça, c'est cool. En plus, ça me donne du fric quand j'en bois. Vu que je récupère les capsules. Alors. Ouh. Attention. C'est une blague? Genre, ils m'ont vu. N'importe quoi. Ils auraient pas trop dû pas me voir, quoi. Ouais, 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 je suis caché. Oh la vache, enfoiré! Et puis ça me fait laguer en plus. Waouh, c'est qui casse ça? C'est lui là. Waouh! Punaise, la vache! Allez, crève! Putain, je leur fais à peine des dégâts quoi! Oh la vache! Ok, on va se relever. Oh putain, salut toi! Non mais n'importe quoi! Salut! Viennent, ouais, ok. Vous avez qu'à venir dans mes balles carrément. C'est plus facile pour moi. Et toi? Toi, tu sais quoi? On va finir avec le sbav. Hop! Bim! Bim! Et bim! Ça, c'est bon, ça. Putain, les mecs sont venus se suicider sur moi, quoi. Je récupère tout, j'analyserai tout ça plus tard. Ça me permet de réparer mes armes et tout. Il y avait un steampack, j'ai vu un steampack, c'est cool. Bon, après, il n'y a que des petites babioles. Ah, un petit machin de Sunset Safari, là. Parfait, je prends tout. Je prends tout et je vais aussi en boire parce que... Bah, je vais boire la dernière de Nuka-Cola, en fait. Oh, pardon, excusez-moi. Ça me redonnera de la vie. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Ah, je libère tout ça tout de suite, hein, la merde. Je libérerai plus tard. Ah, c'est la porte que j'ai ouverte tout à l'heure, ça. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Ok, ok. Bon, bah, c'est bon, du coup. Parfait. Il est pas mal, ce petit flingue, même si je préférais l'autre. J'imagine que vous n'êtes pas là pour me sauver. Je croiserai bien les doigts, mais mes mains sont toutes engourdies. Pauvre chou, vous devez être l'adjoint Birle. Eh bien oui, enchanté de faire votre connaissance. Je suis en situation délicate là. Ce serait bien gentil de votre part de me libérer. J'hésite. Il paraît qu'on aura des infos sur des cannes venues ici avec un homme au costume à carreaux. Comment vous êtes-vous retrouvé otage? Je vais vous détacher, ne bougez pas pour l'instant. Comment vous êtes-vous retrouvé otage? Je dois dire que c'est le moment le plus délicat de ma carrière dans les forces de l'ordre. Ah, parce que, oui, les poudriers sont entrés dans la ville hier soir et ont tué ma sœur et son mari, le shérif, dans leur lit, pendant que je dormais dans le bureau. Je les ai observés un moment en prenant des notes. Je voulais évaluer le meilleur moment pour intervenir et les arrêter tous d'un coup. Malheureusement, ils m'ont trouvé pendant que je me cachais dans l'ombre et m'ont amené ici. Ah ouais, c'est un petit peu glauque, quoi. Je vais vous détacher. Oh, c'est magnifique. Je poserai les questions plus tard. Je crois que je vais sortir. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Discours. Si vous essayez de vous tirer au lieu de vous battre à mes côtés, je vous tue moi-même. De toute façon, j'ai déjà tout le monde. Bien sûr, allez-y. De toute manière, vous n'avez pas l'air bon grand-chose. Alors, c'est clair. Je m'en remets à votre sens de la psychologie et du combat à main armée. Je vous retrouve dehors. Non, mais c'est bon, j'ai déjà tué tout le monde. Juste te suivre. Pas besoin de te baisser, j'ai déjà tué tout le monde. T'es sourd ou quoi? Pinaise. Par là. Allez. Allez. Oh là 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 là. Fais pas ta chochotte, putain.
je peux dire des gros dans cette série, c'est Peggy 18. J'ai envie de tirer une balle. Allez, on sort. Salut. Ça fait plaisir quand les chargements sont aussi rapides. Bon, je peux te reparler du coup. Eh bien, voilà. Quelle aventure. On a donné une bonne leçon on à on a donné, bien sûr. Me libérer d'une prise d'otage. Oh, je ne diminue pas pour autant votre rôle. Ça a été pour moi une sacrée expérience. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours personne pour faire respecter la loi à prime. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine la loi, fois qu'on c'est sera moi. Attaqué? Alors, des infos sur l'homme au costume à carreaux qui est passé par ici. De quoi est-ce que vous parlez quand c'est vous le shérif maintenant? Quelles sont les qualifications pour devenir shérif? Tiens, on va demander ça. Il faudrait quelqu'un d'aussi courageux que vous, mais qui est moins la bougeotte? Quelqu'un de stable qui veillerait sur nous. Ouais, quelqu'un qui reste en ville. J'ai entendu les poudriers parler d'un de leurs compagnons de cellule qui aurait été shérif, un dénommé Meyers. Ça pourrait être un bon choix. Et il y a des troupes de la RNC pas loin. Vous pourriez leur demander de prendre la ville. Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas intervenues. Je vais aider à rétablir la loi et l'ordre à prime. C'est vrai? C'est magnifique. Je vais commencer à réfléchir à des questions pour l'entretien d'embauche. Le shérif incarcéré à la prison de la RNC pourrait être un bon candidat. Vous pourriez aussi persuader la RNC de prendre la ville sous son aile, même si la loi martiale n'a rien de particulièrement festif. Ouais. On va voir ça. Et du coup, la question sur l'autre... Vous avez trouvé un candidat correct pour le poste de shérif? Non, je posais les questions sur l'homme en costume. Ah oui, la mémoire me revient maintenant que je suis libre de mes mouvements. Ça devait être une question de circulation. Je faisais une reconnaissance à la recherche de poudriers quand des grands cannes sont arrivés avec votre ami en costume. Ils parlaient d'un objet qu'ils avaient pris à un courrier. Je suppose que c'était vous. Ils ont dit qu'ils passeraient par Nipton pour rejoindre Novak et rencontrer un contact là-bas. Ok, on a la suite de notre parcours, c'est déjà pas mal. Marqueur de carte ajoutée, cool, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Données, carte du monde. C'est quoi, c'est prime. Ça c'est tout, Good Spring et tout ça. Ok. Ça doit être New Vegas. Je vois pas de marqueur, mais bon. Je vois pas d'autres marqueurs, mais bon, c'est pas grave. Il y a un gros machin là, je sais pas ce que c'est. On va regarder un peu ce qu'on a eu comme arme. KMM. Alors, arme. Batte de baseball, machin, des bons de pognon, on s'en fout. Tout ça, je vais les réparer en off. Incinérateur. Oh la classe! C'est trop bon ça! Alors ça c'est super classe quoi. Le gros malade quoi. Allez, hop, ça pourra servir en cas de problème. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Des lasers, des machins. Ok, rien de spécial. Bon, je vais peut-être pas garder ça à la main quand même. Hop, d'ailleurs, hop. Non, je trompe de touche. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça on a un truc tout neuf. Qu'est-ce que. Oui, les fringues aussi. Bon, les fringues encore. Ça fait combien déjà la mienne? 12. 12 SD. 1. Ouais. Je crois que niveau armure, c'est ce que j'ai de mieux. Bah écoutez, on va aller parler au vieux, voir ce qu'il a à nous dire. Salut. Bah il est pas là? Ah bah il est là. Hey, salut. On se promène encore à prime, hein? J'ai encore des questions à poser, non? Je peux vous aider à rétablir l'ordre à prime. Je peux rien vous dire de mieux. Vous tomberez peut-être sur quelqu'un qui a ça dans le sang. J'ai entendu parler d'un gars qui s'est retrouvé enfermé dans la prison de la RNC, sur l'I-15. C'est peut-être pas le top, mais bon, c'est un shérif. J'imagine que la RNC aussi, elle pourrait apporter un semblant d'ordre dans cette ville. Mais d'après ce que j'ai vu, ils sont pas très bien équipés. Ouais. Et... Prime Slime... Ah ouais, grave! Oh, j'avais pas pensé à ça. Je suppose qu'il pourrait être shérif si on le reprogrammait correctement.
Grave, attends, un robot shérif, c'est trop cool. Ah, mais je vais carrément faire ça, ouais. Tiens, au fait, j'ai tout à vendre. Bien sûr, jetez un œil. Voilà, j'ai encore vendu plein de trucs. Hop, et j'ai surtout récupéré un Steam Pack. Et ça, c'est cool. Je me trompe de touche. Voilà. Merci. De rien. Hop, à plus. Cool, et bon, on aura libéré l'autre con, là. On dit que vous allez chercher un nouveau shérif pour Prime. Ouais, en fait, je voudrais que ce soit lui, là. Je voudrais que ce soit lui, votre nouveau shérif. Salut, partenaire. Bienvenue au casino et musée Vicky Evans. Ah, faut 30 heures, ah, fait chier. Ou 3 piles à fission et 4 conducteurs que j'ai pas. Zut. Erreur. Ah non, évidemment que j'ai pas. J'ai pas. Bon, bah c'est pas grave, on va essayer de monter niveau 30 en science pour pouvoir faire ça, mais pas tout de suite. Je pense que je vais quitter Prime et que je vais continuer la quête parce que là, j'ai l'impression d'être un peu bloqué par mes niveaux. Il faudrait que je monte des niveaux, donc je continue ma quête principale. Je devais aller voir la RNC, je pourrais peut-être aller leur parler quand même. D'ailleurs, quelle heure il est? Je vérifie ça. Ah bah, il est l'heure pour nous de nous quitter. Eh oui. Ah oui, enfin, surtout pour moi de partir, enfin bref. En tout cas, on va se quitter à côté de cette magnifique voiture de collection. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, c'est vous qui voyez, vous êtes les maîtres. Merci beaucoup et bye bye tout le monde.